qu'on fait. Bon, c'est bon, c'est parti, tais-toi. Tu te maquilles pas, Romy, ça va faire du bruit. Super. Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous lire mon journal intime. Donc mon journal intime, c'est un truc avec Stitch fille. Alors déjà quand on ouvre ça, le faire part de mon petit frère échographie du 18. T'as dit mon petit frère qui est né, c'est Loïc. Du 18 janvier 2013, il y a 3 mois et 6 ans de taille. Et 6 cm de taille. Voilà. Et j'avais ça, c'était un truc genre. Pour dire si on l'avait fait à l'école, genre là, je mettais ça à l'école, à la maison, et là, à l'école. Et après, j'ai ça. Pour la boum de CM2. Oh, en fait, à la fin du CM2, on avait fait une boum et tout. Et on avait fait un plan. Voilà comment c'est. Et on avait fait. Oh, regarde. On avait fait genre un plan. Comme ça, pour genre dire là, il y a le bar, le jeu de société et la danse. Et au final, il n'y avait pas du tout eu de jeu de société. Hein. Ensuite, il y a marqué, donc sur la toute première page, journal intime de Zoé. Ne lisez pas, tout le monde a droit à sa vie privée. Personne ne le lit à part moi. Cher journal, je t'ai eu le 25 décembre 2010, c'est Jean-François. J'ai eu plein d'autres cadeaux. Le jeu de logo des marques, la clinique Playmobil, le Jungle Speed. Un pot de moutarde. J'ai écrit avec mon stylo plume Diddle, dont je rêvais depuis longtemps. Demain, il y a école, je suis à côté de Romy et Angela. Janvier 2011. J'ai parlé sur MSN à une fille que je connais pas, c'était drôle. J'ai dit que j'avais 15 ans et que j'étais trop belle. Mercredi 5 janvier. Je me suis fait brûler ma verrue à l'orteil. Oh, ça faisait très très mal. Mon pied était congelé. C'est très gadique. Attention, j'ai des poux. C'est horrible, j'ai des poux. Et quand j'ai des poux, c'est horrible. Genre en fait, il y a un truc et... Personne n'a le droit de le déplier, j'avais fait genre celui qui déplie genre dans un petit bocal. Alors il y avait un gars qui m'aimait, il m'avait fait ça. On est parti au ski et j'ai eu mon étoile de bronze, j'ai fait des tas de pistes noires et gris. Les pistes grises ça n'existe pas. J'aime un gars, mais au cas où quelqu'un lit ce journal, je vais lui mettre un pseudo. Je l'appellerai Philibert. Je suis très amoureuse de Philibert, donc on est allé au laser game et après on s'est baigné. Les gars nous ont attrapés pour nous faire des bisous. Après, on a pris le gâteau et on s'est rebaigné. Oh, comment j'écris? On a bien... Enfin bon, c'était trop cool avec Philibert. Je me suis fâchée avec ma maman. Elle n'a plus le droit de rentrer dans ma chambre. J'ai vu un Scott, alors je me suis dit je vais coller ça. Donc voilà, j'ai collé... Aujourd'hui à l'école, on joue à Lilliput. Lily princesse. Moi je suis Lily princesse et Romy Lilliput. Ce jeu est trop drôle et aussi on fait des jeux de vie. Mon entreprise c'est R et Z Robot. On construit des robots et on les vend. Faux sous. On savait pas ce que ça voulait dire pute en fait. Hein. On les vend faux sous à Angela ou Chloé, décoratrice, ou à Chloé, l'autre Chloé, resto. Genre on se fait des dessins de robots et des sous. Mais je trouve que à la meilleure que c'est qui. Je suis prêtre et je baptise les filles. Ah oui, c'est vrai. La photo de classe, CM2 2012. Voilà. Oh non, Zoé. C'est en minuscule. J'aime pas ma sœur. Elle m'a pourri la vie. Paris. C'était bizarre, moi, ta tête. Je ne vais pas sortir de ma chambre jusqu'à ce qu'on m'appelle. Ah oui. Chloé est amoureuse de Philibert, mais pas lui. Alors une chance de plus pour qu'il m'aime. Mon dieu, c'est tellement de psychopathe. Cadeau de Noël. J'avais mis une image de mes cadeaux de Noël. Mini bibliothèque. Radio. Trousse Roxy, réveil. Le dico défi. Tasse. D'accord, en classe. Maintenant, je suis à côté de Romy. J'en ai marre de Manon. Elle n'a rien, ça n'a rien à voir. Le 1er avril 2012, je suis arrivée première au cross. C'est pas une blague. Hier, c'était Pâques. J'ai eu plein de chocolats, mais je les ai oubliés chez mamie à l'île de Ré. À l'école, c'est définitif. Plus d'Amandine dans le groupe. J'écrivais très très mal, comme vous pouvez le constater. Voilà, c'est très immonde. En fait, on l'a laissée 3 ou 4 mois toute seule. Puis Chloé est partie 20 jours. Après, c'est la fille qui compte. Puis après, on a repris toutes les deux. Le 1er juillet, dans une semaine, c'est le vide-grenier de Briolet. Trop pressé d'y être.
Il y a un mois, je suis allée au Puy du Fou. Angela va me faire un CD parce que j'avais pas pris mon appareil photo. Dommage parce que c'était super. Et c'est trop nul. Philibert a changé de look. Ses habits, ça va, mais ça lui va pas. Je le préférais avant. Adèle n'est pas une mère, c'est un monstre. Elle m'a foutu. Et après, j'avais barré pour m'être mis une claque géante au visage. Je suis toute rouge, j'ai une sur la fesse. J'en peux plus, je vais marcher. Je peux plus marcher, je la déteste. Et après, j'avais tout grabouillé. Genre, j'avais fait une croix et tout, et j'avais marqué faux. En fait, je l'aime comme ça. J'avais fait la terre. De tout mon cœur. Et j'avais encore barré, j'avais encore mis faux. Elle m'a balancé les clés dans la tête. Oh punaise, mais on dirait que c'est un monstre. Je vais appeler SOS enfant battu. C'est faux. Hier, lundi 2 juillet, maman travaillait jusqu'à 19h et c'est Greg qui venait nous chercher à l'école. Alors j'avais pris mon téléphone dans mon cartable. Je l'avais éteint bien sûr pour dire à ma maman que tout allait bien. Je ne sais pas pourquoi, j'avais mis un réveil à 16h31. On corrigeait un truc quand tout le monde entend ma sonnerie. Moi je dis c'est pas moi, mais dans ma tête je savais que c'était moi. Alors tout le monde se tourne vers moi. Je fouille dans mon sac et je fais exprès de chercher dans la mauvaise poche. Grosse thug. Puis enfin je le vois et je dis oh c'est mon frère qui a dû le mettre là. C'était faux. Rentrée en 6ème. Voici mon emploi du temps. Oh my god, l'emploi du temps le plus nul du monde. Ça depuis la 4ème. En 4ème et en 5ème même. J'ai plein de chaussettes. Primo, Violetta ça recommence le 7 janvier. Trop nul. Et on était le 14 décembre. Secondo, Philibert a demandé à Garance si je l'avais déjà aimé. Comme une grosse débile, j'ai dit non. Troisio, dans une semaine, c'est les vacances. Et dans 10 jours, c'est Noël. Trop cool. Toi qui lis ce journal, si tu connais moi, Zoé, ton jus, et que je fume, dis-lui tout de suite d'arrêter de fumer. Si c'est Zoé qui lit ce journal, arrête de fumer. Car ça pue, ça coûte cher, ça pue, ça fait 2 fois que je le dis, ça fait mourir, et après, tu pues de la bouche, ça fait 3 fois que je le dis. Ça fait mourir, ça fait 2 fois que je le dis. Ça fait mourir, ça fait 3 fois que je le dis. Et je veux pas mourir. Si mon mari ou enfant fume, c'est pareil. Arrêtez. Si personne fume, tant mieux. Il faut continuer. Mal. Et voilà, ça recommence avec Philibert. Oh mon dieu, mais ce gars va me suivre toute ma vie. Alors en fait, il a mon Skype et mon hume. On se parle presque tout le temps. Un jour, il me dit, j'aime une fille. Toi qui es une fille, heureusement que je suis une fille, hein. Toi qui es une fille, oh mon dieu, j'étais tellement débile. Toi qui es une fille, dis-moi comment lui dire. Donc je lui ai dit. Et puis 5 minutes plus tard, il me renvoie mon message que je lui ai dit. Il m'aime. Et je sais pas quoi répondre. J'en parle à Angela. Et évidemment, j'ai peur de lui dire que moi aussi j'aime Philibert. Elle me dit de lui dire que je l'aime pas. Oh, Angela. Mais je suis débile ou quoi? J'ai peur de la réaction des autres. Oh mon dieu, j'avais peur du regard des autres, ça va pas du tout. Il m'envoie des mots trop choux, genre tu es belle et sympa. Je l'aime, mais j'ai peur de le dire, même à Angela. Ce midi, il était à côté de nous et il est venu et il a dit c'est un gage, je dois vous faire la bise. Moi en première, t'imagines, nos joues se sont touchées. Je suis trop heureuse. J'étais une psychopathe. Philibert, je ne l'aime pas. Par SMS, t'es ce qu'il me dit. Zoé, j'ai un truc à te dire. Ok, vas-y. Tu ne vas pas te vexer. Ok, mais dis STP. Bah en fait, t'es plus ma meilleure amie. What, je n'ai jamais été sa meilleure amie. C'est une blague. Ok, mais pourquoi en fait? Bah on se voit pas au collège et je trouve que tu m'évites un peu. Et puis j'ai 2 autres meilleures amies. Je te dirai pas c'est qui. Il dit que je l'évite? Non mais il rêve là. Soit disant j'étais sa meilleure amie, mon œil, enfin bon. Bon bah voilà, après je n'ai plus rien d'écrit, hein, comme vous pouvez le constater. Voilà. Voilà, j'étais un petit peu une psychopathe qui me faisait des films. Bah j'espère quand même que cette vidéo vous aura un petit peu fait rire. Moi personnellement, elle m'a fait réaliser que j'étais complètement tarée. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, faire plein de choses. Bisous. Ciao.